Alors, c'est l'occasion d'une articulation absolument merveilleuse avec le thème de la ville sur le festival de géopolitique que l'on voulait faire parce que Grenoble est vraiment le lieu où on peut discuter de ça. Et le fait qu'on ait vraiment joint les deux événements est pour nous vraiment une très très belle chose parce que ça va nous permettre d'un côté d'avoir une approche sur les phénomènes urbains, disons d'un point de vue plus global, disons plus planétaire, et de l'autre côté d'avoir les apports sur les expériences locales, sur la conscience locale de cette question-là. Donc je trouve que c'est deux approches extraordinairement complémentaires, je suis vraiment très heureux. Alors Grenoble, c'est une ville qui a une longue tradition d'expérimentation sociale, urbaine, politique, et bien entendu la mairie actuelle fait complètement partie de ce processus-là. Moi, ce que je trouve très intéressant à suivre, c'est l'évolution de la démocratie participative notamment, avec une montée de cette participation au fur et à mesure des expériences qui sont menées, que je trouve vraiment un phénomène intéressant à suivre. La question des transports est évidemment une question centrale. Là aussi, il y a des expérimentations en cours et bien entendu, il faudra attendre avant d'en voir les conséquences concrètes et les évaluer, mais en tout cas, on essaye. Et je trouve ça assez stimulant mais dans une ville qui essaye des choses. On n'aura pas de capacité à évaluer ces politiques avant très longtemps, mais c'est le propre du politique dans un territoire comme celui-là. Il faut se donner le temps du résultat et on verra.